Oh là là là, galère. Allez, c'est parti. L'aube du capitalisme. Vous me direz pour les sons. Des sociétés aussi puissantes que des royaumes règnent sur les mers et les routes marchandes. D'une main de fer, elles forgent une voie vers la tyrannie et l'exploitation, soufflant sur les braises du combat pour la suprématie. Venus de l'océan Indien, un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de sang. Et là où le sang coule, les prédateurs affluent. Petit brouillard, on a perdu l'Exeter. Le capitaine Rassler va nous faire pendre. Nous devions l'escorter. Tiens, on s'est battu ici. Les Britanniques sont passés par ici. J'espère que ce n'est pas ce qu'il reste de la cargaison de l'Exeter. Capitaine, évitez l'épave devant. Capitaine, évitez les bateaux. Oh! Ah oui! On est sur du contrôle compliqué, hein? Oh, va falloir le prendre en main, celui-là. Un navire britannique endommagé! Ce devrait être une proie facile! Il y a toujours de la place en cale pour des... Ouais, on va se bagarrer. Vous me dites si les bruits des canons, on les entend assez ou pas. Boum, boum! J'ai même pas le son du canon. De la nourriture pour les requins! J'ai pas le son du canon! Faut que j'aille où? Oh, y a pas qu'un seul navire qui semble louche là, y en a plusieurs là. On y va! Allez! Envoyez-les par le fond! Boum! C'est des Britanniques! On les a eus! Ah, mais c'est une flotte britannique! On est dans le caca de cheval! Boum! Boum! Oh, j'ai réussi à tirer au-dessus! Quel plaisir. Voilà le vaisseau amiral. Coulez ce navire de guerre. Oh baba. Ignorez le menu fretin. Ce qu'on veut, c'est le grand navire. Ça la mirage. C'est de la folie de nous affronter. J'aimerais voir le prêt à ce que part ce navire. Au poste de combat. La main dessus. Il paraît à faire feu. Il meurt. Vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez, crétin de pirate. On est en plein dedans, les gars, là. Tenez-vous prêts à les couler.
Tu vas me dire qu'avec tout ce que je leur ai mis là, ils coulent toujours pas? Oh, le nombre de petits bateaux qu'il y a autour de moi. Embrassez le fond flot pour nous. Vous souillez notre navire avec vos armes, mon. Ça y est, on a réussi à couler ces chiens. Ah, trouvons l'Exeter et puis j'ai fait le bien ici. Tous les ennemis dans ce rang. Allez, c'est tout juste, c'est une flotte. Oh là là, le nombre de bateaux qu'il y a. Oula! Il y a toute la flotte anglaise qui arrive. Et vous en répondrez devant nos canons! Pas moyen de fuir! Cramponnez-vous! On va mourir! La cargaison de Sherlock est perdue! Nous ne mourrons pas! Ah bah si, en fait. Et bonsoir, bonsoir Lana Roblox, bienvenue. Ah, c'est là qu'on va créer son capitaine. Capitaine. Ça va, merci, et toi? J'ai un écho ou je plane? Est-ce qu'on peut le modifier? Oui, on peut le modifier. Je sais pas où est censé aller ce tatouage là, je le vois pas. Non, pas de règles particulières à part la bonne humeur et puis le respect, voilà. Basique. Couleur des yeux.
En cheveux, on a quoi? Ça. Et là, il nous faut une grosse barbe. On a une grosse barbe. Mais pas en blond. Reste brun. Voilà. On n'a pas de grosse, grosse barbe, mais. Ça, ça fera le taf. On est bon, hein. On est prêt à prendre la mer. Let's go. Là, un rescapé. Vite, la flotte anglaise est peut-être encore près d'ici. Tenez ma main, vous ne mourrez pas. Donc petite bêta ouverte. Et ensuite j'aurai accès au jeu à partir du 13. Il sort le 16 de tête. Le destin vous a joué un tour. Il sort le 16 officiellement et vu que j'ai la grosse version, je pourrai normalement y jouer à partir du 13. Donc là c'est le test. Nous avons survécu au combat et maintenant voir ce que ça donne. Notre sort s'améliore. Il y a une ardeur dans votre regard. J'ai déjà vu la même lueur chez d'autres. Je suis sûr que vous allez nous conduire à Sainte-Anne. Pour rejoindre le paradis des pirates, il faut en connaître le chemin. Voilà, un journal de bord récupéré dans l'épave. Plus que par l'encre et le parchemin, notre sort se révèle par couches, souvent bien visible. Ceci vous aidera peut-être à tracer votre chemin, l'ami. Rendez-vous utile! Ah, c'est pas une démo, c'est une bêta ouverte. Bêta ouverte illimitée, mais bloquée jusqu'au niveau 6. Mais une fois le niveau 6 atteint, tu peux continuer à jouer jusqu'à mardi. Enfin, là, la bêta, elle est jusqu'à dimanche. Et puis après, bah, ça sera mardi. Par contre, je vais juste faire un truc. Parce que je crois que quand j'ai réglé les sons, j'ai enlevé le son des canons sans le vouloir. Et mettre peut-être juste un peu plus fort. Vous me dites si là c'est agréable ou pas. Ok, c'est parti. Eh ben, il y a plein de joueurs avec nous. On peut aller encore plus vite. Trouvez un moyen de réparer votre boutre et partez pour Sainte-Anne. Bon, déjà on va regarder ce que c'est là les petits points d'interrogation. Alors j'y ai pas joué avant et je me suis pas spoil. Donc il va sûrement falloir que je me familiarise avec les touches, le jeu, etc. Il y a un vaste campement sur cette île. Ok, donc quand t'appuies sur S c'est remonter les voiles. Ok. Ouais, on est en totale découverte là. Île de l'Est. Alors qu'est-ce qu'on a à faire sur ces îles? Ok, là ça se bagarre. Cuisiner, ok, c'est tout. Youpi. Let's go. Prochaine île.
Là-bas, ça se bagarre. Alors, on a une barre d'énergie en bas. Je sais pas vraiment ce que c'est. Peut-être l'énergie de notre équipage. X, ok, accosté sur l'île marquée sur votre boussole. Donc celle qui est là-bas au bout. Bon, on va quand même découvrir ce qu'il y a à côté de nous. Hein. On va pas tout de suite aller là-bas. Un mât brisé sur cette île. Va-t-il de rescaper ? Alors moi, c'est tous les lives que tu veux, sauf Fortnite. Ah, tu trouveras pas de Fortnite chez moi, j'y joue pas. Pas de Fortnite, pas de Call of. Pas d'Apex. Pas de tous ces jeux-là. Je joue pas à ces jeux. Je suis plus axé survie, etc. Un peu tout, genre Palworld, Summoner War, etc. Nous étions cinq dans un petit bateau. Après le naufrage, ensuite, les hommes de Rassler ne nous ont pas aidés. Pour moi, il est trop tard. Mais tu connaîtras peu. Tous les jeux que tu détestes, de quoi ? Fortnite, Apex, tout ça ? Après, c'est les plus faits aussi. Hein. On va pas se mentir. Hein. Non, c'est... Moi, je suis dans d'autres délires. Là, ma femme, elle m'a pris le pass Ubisoft. Ça veut dire que je vais pouvoir me taper tous les Assassin's Creed. Parce que je suis un grand fan des opus Assassin's Creed. Et là, j'avais envie de jouer à Black Flag. Et vu qu'elle m'a pris le Ubisoft Plus, j'ai accès à tous les Assassin's Creed. Donc, il va y avoir de l'Assassin's Creed. Il va y avoir du Far Cry. Il va y avoir du Skull and Bone. Du Summoner War, ça, comme d'habitude. Du Palworld. Enfin, ça va bouger, quoi. Ah, c'est le meilleur pass que j'ai. C'est le meilleur pass que j'ai pu prendre en termes de jeu, c'est le Ubisoft Plus. Il n'y a que des opus que j'adore. Approche, sale bête! Oh, pourquoi le requin il m'attaque? Non. Mais comment ça le requin il m'attaque? C'est quoi le délire? Ah, attends, il y a encore un petit point là-bas. On va d'abord là-bas. Mais c'est qui me suit, hein, le salopio. Ah, les Fallout. Une dinguerie, les Fallout. Bon, moi, j'ai joué qu'au 4 ou au 3. Je sais plus exactement. Mais, ouais, c'était une dinguerie. Avec tous les secrets à trouver et tout. On va s'en sortir en vie. Vous allez voir. Ah, on peut pas y accéder, apparemment. Ah, et puis en plus avec le Ubisoft Plus, on a accès au nouvel avatar aussi, d'après ce que j'ai vu. Far Cry 6. Ah, il y a moyen de faire des trucs bien. Attention, je vous fonce dedans. Hop. Désolé. Oh non. Ah, j'ai pas joué au 67. Bah, le seul Far Cry que j'ai joué, c'est New Dawn. Et après, bah, je me suis pas pris d'autres Far Cry en vrai. Ah, les opus Ubisoft, ils coûtent pas mal cher quand même. Moi, c'est PC, moi, 100% PC.
J'avais dit au capitaine Rassler que le net... On a peut-être perdu les Anglais dans le brouillard, mais aussi... Regardez, les entrailles de l'équipe... J'ai arrêté la play quand la mienne, elle a cramé. Où étiez-vous, capitaine ? Pendant que... Je l'ai jamais remplacé. Et à quoi a servi votre hardiesse ? À part à nous laisser pourrir sur ces hauts fonds. Vous voulez rejoindre Santa ? Oui, Fallout, pardon, oui. Oui, oui. Naturellement. Tout comme cette bande. Mais si nous retournons voir le Kingpin les mains vides, il nous enlèvera de récupérer ce qu'il reste de la cargaison de Skurlock dans ses eaux infestées de requins. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Bien. Et... Récupérer la contrebande de Skurlock dans l'eau pour l'officier pirate en chef. Arme à feu explosif, rhum opulent. Ok, bah let's go. On va aller te chercher ça. Ouais, un PC, c'est pas gratuit non plus. Hein. C'est même plus cher qu'une Play. Hein, si tu regardes bien. Si tu veux un bon PC. L'officier serait incapable de guider un poisson dans la mer. Mais si ce crétin connaît le chemin de Sainte-Anne... Mais quand je vois les... Quand je vois le prix des jeux de play actuellement, je suis pas mécontent de pas avoir. Ces cadavres, il va peut-être falloir les fouiller. J'ai perdu mes mots. Ça me dérange pas de pas avoir pris de play sur le coup, tu vois. Ah, les jeux, ils tabassent hein, sur. Le prix des jeux est à bas sur Play. Opulent, ça veut dire beaucoup. C'est à cause du rhum opulent. Opulent, c'est, ouais, c'est une grosse quantité. Par contre, je dois récupérer vos trucs là, mais je dois les récupérer où ? Moi, je valide, hein. Mais c'est où ? Oh, t'inquiète, hein. On est ouvert ici, t'inquiète pas. Normalement, il devrait pas y avoir d'insultes ou de trucs. On est plutôt calme. Arme à feu explosive et rhum opulent. C'est quoi, c'est ces trucs là, hein ? Ah oui, apparemment. Oula, 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 désolé. Désolé, monsieur. Ah ouais, c'est vraiment pas facile, hein. Ils ont bien joué les effets des vents et tout, c'est dingue. Par contre, j'ai bientôt plus d'énergie, je sais pas ce que ça signifie quand t'as plus d'énergie. Nous sommes trop épuisés, capitaine. Vous voulez qu'on fasse quoi? Une pause? Ah, mais faut que je pille, d'accord, quand je passe à côté, ok. Non, parce que moi, depuis avant, je passe à côté et je collecte pas, hein. Ok. Oh! On est en train de se faire tirer dessus, je sais même pas par qui. Ah oui, les Zelda, moi je suis un grand fan. Moi je suis un grand fan de Zelda. Eh, tu te calmes. Ils vont réussir à nous faire couler. Ok, on va aller leur ramener les armes à feu parce que là j'ai rien pour me défendre. Oh si ! J'ai de quoi me défendre. J'ai un puits en bois. On va essayer de se faire le requin. Avec un pieu. Avec une lance en bois. Salir sa culotte que mourir en mer. Ah oui, bah ça c'est sûr. Vaut mieux salir sa culotte que mourir en mer. Ah, je suis d'accord.
Je valide, hein. Tiens, allez au diable ! Eh, mais le bateau, c'est qu'il nous tire dessus ? C'est quoi son problème ? Par contre, le requin, il est parti suivre le monsieur, là, et je l'ai plus jamais revu. Majora Mask ? Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre... Sur 3DS ? Bon, ils ont peut-être fait des adaptations sur Switch, non, chérie ? Des Zelda comme ça. Parce que ma femme, c'est une joueuse 100%, 100% Nintendo, hein. Donc tout ce qui est Switch, Nintendo, 3DS, nanani nanana, elle c'est elle s'y connaît. Hein. Attention le requin. Je regarde pas où je vais. Ah! On l'a eu. Ouais ouais bien sûr, il faudrait que je t'envoie le lien sur YouTube parce que c'est vrai que j'ai les commandes mais ils sont que sur Twitch. Faudrait que je t'envoie le lien du Discord sur YouTube. Bon ça va, je pensais que le requin il allait être plus dur là-dessus. Attends, je vais juste aller ramener cette quête. Ça va, l'ambiance, je trouve l'ambiance du jeu folle en fait. Et il est magnifique. Regardez les coraux et tout là. C'est pas trop beau ça. Allez, on débarque. Hop là. Alors attends. Comment je peux envoyer ça sur YouTube? Hop. Ah, il y avait un mec qui reculait ici, qui a disparu. Il a fait plouch. Au revoir. À plus là. Tenez, monsieur. Vous voulez connaître le chemin de Saint-Al ? La cargaison de Skurlob d'abord. Merci pour les marchandises. Skurlob m'épargnera peut-être. Mais je ne peux pas en dire autant de vous. Quand je lui aurais parlé du capitaine qui n'a pas protégé sa cargaison. Mais c'est qu'il est rigolo. Trouvez-vous même le chemin de Sainte-Anne, fin lumier. Ah, t'es comme ça. Ne comptez pas sur moi pour sauver vos fesses quand les miennes sont en danger. Demandez au capitaine Rassler. Son cadavre bouffi connaît peut-être le cap. Maintenant du vent, Ratcal. Oh, t'as de la chance qu'on peut pas se bagarrer dans le jeu, parce que toi, je t'aurais fait passer l'envie de me prendre pour un idiot. Crois-moi. Retournez à votre boutre. Ah, la boutre, c'est ma barque. D'accord. Ok, ok. Ah, j'aurais appelé ça une chaloupe. J'ai peut-être pas les bons termes.
fouine jusqu'au bout. Ouais. C'est une belle petite fouine, le monsieur là. Allez hop, on y va. On file. Let's go. Direction 200 mètres. Je vais voir peut-être pour essayer d'enlever dans les réglages le flou là de déplacement. Ça serait peut-être un peu plus. Oh, pardon, monsieur. Ça serait peut-être un peu plus stylé. Alors je comprends pas comment rentrer dans ce bateau en fait. C'est là que je dois aller mais je comprends pas comment amarrer parce que ça me le propose pas. C'est bizarre. Lors de la récupération d'épave, avancez d'un cran en visant un segment crocheté. Ok. Ok. J'étais juste pas prêt. Et ça va fonctionner. Je vais juste voir si je peux pas enlever ce flou ambiant là. Visuel. Chat, chat, chat. Filtre opacité. Nuage volumétrique, occlusion, profondeur des champs, flou cinématique. Flou cinétique, pardon. Cinématique. Waouh! Voilà. On va juste enlever le flou. C'est beaucoup plus propre, je trouve, quand t'as pas le flou. Ah, mais c'est pour ça que je me faisais tirer dessus! Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis ici et qui m'a tiré dessus. D'accord. Ok. Ok, ok. On est censé faire quoi ici? Localiser le capitaine, pour trouver comment se rendre à Sainte-Anne. Let's go. Ah, il est pas en très grande forme hein, le capitaine.
Le chemin vers Saint-Anne est indiqué sur la boussole. Allez hop, on y go. Nous on veut devenir un vrai pirate. Let's go. La chance de Freeman. Vous avez trouvé le chemin de Sainte-Anne et une lettre marquée du sceau de Scurlock. Le Kingpin voudra savoir ce qui est arrivé à sa cargaison. Ou bien John Scurlock pourrait avoir 3 balles de pistolet destinées à nos têtes. Ou juste la vôtre, l'ami. Que serait la vie de pirate sans péril et malice, hein? La cargaison de l'Exeter perdue, Scurlock aura besoin de quelqu'un d'audacieux comme vous pour procurer de nouvelles marchandises à son empire. Et jusqu'ici, vous nous avez porté chance. Je suis heureuse qu'on vous ait sorti de l'eau, l'ami. Rassler est mort, et avec lui, tous les devoirs et obligations antérieures. Vous êtes libre de tracer votre destin, capitaine. Capitaine, vraiment? Tant que vous ne nous envoyez pas sur de maudits rochers. On quitte enfin ces saletés d'atoll. La chance vous sourit, capitaine. Quelque chose me dit que allez, tout va bien se passer. Let's go, l'aventure nous attend. Je vais peut-être rester encore quelques temps. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble, capitaine. Partir une flotte puissante et écraser nos ennemis. Triompher de toutes les menaces. Défier les dieux eux-mêmes. Cap sur Sainte-Anne, capitaine. Faites place! En route pour le paradis des pirates! L'horizon de Sainte-Anne recèle peut-être l'aube en laquelle je place mes espoirs. Espérons que les pirates ne vous poignardent pas dans le dos avant! Visez bien! Bien joué! Mais le danger est toujours là! Nous ne sommes pas encore morts! Je sais pas si ça a son importance de prendre le requin, mais on sait jamais si on a besoin de se faire à manger. Sait-on jamais, hein. On n'a pas vraiment eu de didacticiel en vrai. Graphismes sont fous. Regardez les bateaux et tout. Regardez les atolls. Paris, Montréal, Philippines, Shanghai. Il a l'air fou.
On est arrivé automatiquement ici. Ah, cette odeur de sel, d'épices et de péché, Captain. L'océan Indien recèle bien des secrets et des mystères. Le repère de contrebande de Sainte-Anne est l'un de ses joyaux cachés. Quels que soient les besoins d'un pirate, cet endroit peut y répondre. Sainte-Anne est le lieu où la chance se transforme en fortune, l'ami. Scurlock peut nous mettre le pied à l'étrier. Cette lettre prouve que vous n'êtes pas un pirate d'eau douce. Et ne me regardez pas comme ça. C'est vous le mieux placé pour convaincre Scurlock. Moi ? Aïe. Le passé est le passé. Nous n'avons pas besoin de la loyauté de Scurlock pour accroître notre réputation. Seulement de ses relations. Un bon navire ne serait pas de trop. Sauf si vous tenez à ce point à votre poutre. Je vais rester près du navire pendant que vous serez à terre. Ne faites pas attention aux poissons de fond, Captain. Rappelez-vous que nous n'obéissons qu'au vent du destin. Celui-là fera pas long feu. Qui aura tout fait de se briser. De se briser ? Cette carcasse tombe en morceaux. Et elle pue la piste de balai. Bonne ambiance, hein ? Très bonne ambiance à ce que je vois. Apparemment, on a une lettre. Un fils de la liberté. Ah, bienvenue à Sainte-Anne. On dit que vous êtes un véritable pirate, mais laissez-moi en juger. Si vous voulez devenir un pirate digne de mon attention, vous devez d'abord gagner les faveurs des vendeurs locaux et des seigneurs pirates. Et c'est John Sherlock qui a le plus emprise sur ce repère galeux. Les bons à rien se trouvent un bateau et se proclament pirates. Mais peu d'entre nous ont une influence digne de ce nom. Pour l'instant, rassemblez vos forces pour les batailles à venir. Êtes-vous l'un des nôtres ? Avez-vous vraiment ce qu'il faut pour bâtir votre propre empire pirate sur les mers. Un fils de la liberté. Ok. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'entrepôt en vrai, plutôt que de le mettre... Vous faites partie des rescapés du naufrage. Eh bien, au cas où je coule. Votre situation a dû s'améliorer si vous venez louer de l'espace de stockage. Vous avez raison. On n'est jamais assez organisé. Ok. Kit de réparation, faudrait peut-être que je les garde, non? Je sais pas trop si j'ai besoin de les avoir sur moi ou... Lire, c'est maîtriser le temps. Métal, on va transférer. Planche en bois, on va transférer. Peau de requin, j'imagine que c'est pour se faire de l'argent, ça doit se vendre quelque part. Rhum opulent, pareil. Je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont là pour se faire de l'argent. Revenez, si vous voulez stocker. Ce quai commence à être... Bon, on va aller voir ce cher Scurlock. Scurlock.
Cette pauvre Locke a survécu au naufrage. C'est ce qu'on dirait, oui. Un rescapé? Entre, crevette. Occupe-t'en, ou ne te montre plus jamais devant moi. Imbécile. Les Britanniques ont coulé mon navire et ma cargaison, mais t'ont recraché. Espérons que tu en vaux la peine. J'avais besoin de ces marchandises. Tu vois, ce port vit du commerce avec Tchulin. Ce marchand est si riche qu'il pisse de l'or liquide. Et tout ce que je reçois, c'est une lettre. Il pisse de l'or liquide. Ce crétin me traite comme le dernier des valets. Je lui envoie une belle cargaison et il en veut le triple. Il me faut d'autres capitaines. Je peux voler des marchandises pour vous. Trouver ces marchandises, je peux me débrouiller pour acheter ces marchandises. Non, on va aller les voler. Tu as un esprit de pirate. Il va te falloir apprendre à évaluer les prises et des canons. Crevette, j'ai vu le baquet qui t'a amené ici. C'est tout juste si flotte. T'as de l'ambition, mais t'es loin d'être prêt. Il m'a appelé Crevette. Tu veux quitter ces haillons et avoir un vrai navire? Forge-toi une réputation et gagne le respect des gens. Le reste suivra de lui-même. Il m'a appelé ensuite, Crevette. Je pourrais faire de toi le pirate le plus célèbre de tous les océans. Va, je sens que nous nous reverrons. À la base, je voulais repartir avec un bateau, monsieur. L'infamie permet d'estimer votre grade et votre influence dans la communauté des pirates. De nouveaux services et contrats seront disponibles en fonction de votre niveau d'infamie. Plus un défi est difficile, plus vous pourrez gagner d'infamie. Ok, chef. Appuyez sur Tab pour accéder à l'onglet Infamie. Ouais. Alors, la joie d'Exeter, classe boutre, taille très petit. Un petit navire construit à l'origine pour chasser les animaux le long des rivières et des côtes. Ah, on a enfin des didacticiens. Ok. En mer, appuyez sur CTRL pour afficher la roue des actions. Une fois la roue ouverte, utilisez Q et D pour sélectionner un objet disponible. Ok. Touchez ou maintenir Z pour activer le réglage afin de naviguer plus vite. Vous ne pouvez pas régler les voiles si vous êtes à court d'endurance. Ça, ça semble logique. Ok. Menuisier, donc c'est à lui qu'on va vendre les planches. Ouais. Chantier naval. Peut-être pouvoir se procurer un bateau. Ah, ainsi c'est vous qui venez de l'épave de l'Exeter. Scurlock voit peut-être quelque chose en vous. Mais moi, je ne vois qu'un pirate en herbe à la chemise pleine de sel. Dites-moi, que peut bien voir le roi des pirates chez un épouvantail pareil? Bah, ils en ont des problèmes avec moi. J'ai l'intention de régner sur les mers un jour. Allez, on va faire comme Luffy. Je serai le roi des pirates. Vous pourrez pousser des marins à rejoindre un capitaine de baquets percés. Mais si vous prouvez votre valeur, même les vagues vous respecteront.
Je parie que vous rêvez d'une tape dans le dos, d'une bourse pleine de pièces, et que Scurlock vous prenne dans ses bras. Ha, oui, je veux qu'il me fasse un câlin, Scurlock. Je peux vous construire le plus puissant navire de l'océan Indien, comme la Margaretta de Scurlock. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui le dirigerez en mer, Capitaine. Capitaine. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Hey yo Popo ! El Popo, qui a commencé le travail. Les outils de la profession. Un capitaine ne peut aller bien loin sans les bons outils permettant de naviguer en mer à la recherche d'opportunités. À tes souhaits. Fabriquer des outils de capitaine afin de rassembler des matières premières pour votre premier navire. Ouais, vas-y. Le pirate dirige son navire, certes, mais son comportement par gros temps dépend de qui l'a fabriqué. Allez voir mon ami Zen, le charpentier, et il vous aidera à fabriquer les outils permettant de récolter des matériaux de construction navale. Merci, revenez me voir. Ujambo, jusqu'à présent, vous avez tenu grâce à la chance. Mais pour vous tailler une réputation ici, il va falloir vous salir les mains. Telle est la vie chez les pirates. J'ai pas peur de faire couler le sang. Vous en voulez ? Cela me plaît. Mais faites bien attention et veillez à verser. Comment ça va, mon petit popo ? Nous pouvons nous entraider, vous et moi. Apportez-moi du bois de qualité et je vous fabriquerai ce qu'il y a de meilleur sur l'île rouge. Ivio, nos deux renommées en profiteront. Il faut que j'aille chercher de l'acacia. Donc là pour l'instant je continue avec mon petit bateau avec mon tout petit bateau. J'ai pas le droit d'avoir un grand bateau. Prendre la mer, gérer les cargaisons, gérer le navire. Réparer. On peut le réparer. Hein. Voilà. J'ai d'autres navires ? Non. Modifier le nom. Non, j'ai pas d'autres navires. Comment on peut l'appeler notre navire ? Petit jeu de mots. Notre navire maintenant s'appelle le Roquefort. Nous naviguons sur le Roquefort dans les mers déchaînées. Oula, pourquoi ça crie ? Pourquoi ça crie ? Bon, il faut qu'on aille chercher du bois. On va aller chercher du bois. Et c'est où qu'on doit chercher du bois ? Trouvons ça prestement et revenons sur la terre ferme. On va aller se balader, on va aller chercher du bois. Acquérir acacia. Consulter la carte pour localiser les ressources. Ah bah ouais, pas bête, eh ? Pas bête la bête. Attends, faudrait peut-être que je m'arrête, non. Si
si je souhaite regarder la carte. Alors, Acacia, on en a ici. Sinon, on en a là. Là-haut. On n'en a pas à proximité. À proximité, proximité. Non, bah on va aller là-bas alors. Marqué. Allez hop, c'est parti. On y va les amis. Let's go. On a juste une lance, alors on va éviter la bagarre. Le requin, il va nous laisser tranquille, ok. Oh putain. C'est des Anglais. Mais c'est fou que j'arrive pas à le toucher. Normalement, eux, si on les attaque pas, ils devraient nous laisser tranquille. De toute façon, vaut mieux parce que je me vois mal leur lancer des bâtons pour me défendre. Mais dès que j'aurai des canons, on en reparle. Ce n'est qu'une question de temps. Après, nous deviendrons les rois des pirates. Je le sais. Attends, il essaie de me couper la route. Hey yo, Schroeder. Comment ça va, Cédric? Bienvenue. Ah écoute, ça va. Pour le moment, je suis plutôt satisfait, moi. Bah, apparemment, je ne peux pas naviguer dans ces eaux-là. Donc il va falloir qu'on cherche ici, en fait. On va pas avoir le choix. J'avais pas envie de m'embêter à faire tout le tour de l'île. Alors je crois qu'il est à 60 sur Ubisoft de tête. Il est à 40 et quelques sur Instant Gaming. Et pour la version la plus grosse, je crois que c'est 80. Mais moi je l'ai avec le. Je l'ai avec le pass donc. Moi je l'ai grâce au pass donc ça va. Sachant que là on est en bêta. Hein. Là ils ont annoncé pour la bêta nous avoir débloqué 20 à 25% du jeu. Donc il y a pas mal de fonctionnalités, de trucs qu'on n'a pas encore sur la bêta. Ouais, mais si déjà on fait le tour, autant peut-être prendre cela. Alors non, t'es pas vraiment sur un Sea of Thieves. Il y a beaucoup de choses qui manquent comparé à un Sea of Thieves. Qui devrait arriver dans les prochaines saisons, d'après ce que j'ai compris. Ils vont scinder le jeu en saisons. Et là, pour l'instant, t'as pas vraiment de... Comment dire t'as pas vraiment d'abordage et tout ça. C'est plus des cinématiques. Là, t'es vraiment sur un combat de bateau à bateau. Énormément. Et d'après ce que j'aurais compris, à partir de la saison 2...
tu devrais pouvoir interagir un peu plus avec ton équipage, etc. Donc, on n'a pas trop d'infos à ce niveau-là. Mais en termes de gameplay Batuu, il est pas mal, hein. Mais il reste moins complexe Sea of Thieves. Ça, il faut le dire. Moi, ce qui me manque un peu, c'est de pas pouvoir descendre sur une île avec une carte au trésor à la main. Et devoir t'amuser à faire 40 trous sur une île pour trouver un trésor, ça manque un peu. Mais après, t'as le côté gameplay tranquille aussi. Le PVP sur ce jeu se fera en zone. Donc si t'as pas envie de PVP, ben tu rentres juste pas dans les zones ou sous forme d'event en fait. T'as ce côté tranquille que tu trouves pas sur Sea of Thieves non plus, tu vois. On va dire que c'est deux jeux bien différents pour le moment. Mais comme dit, je viens de commencer là, donc ça va être à voir. Et surtout, j'attends la sortie officielle parce que quand tu sais qu'ils nous ont sorti pour la bêta qu'une petite partie de ce qui est possible de faire, je me dis que avant de me prononcer, je vais attendre la sortie. De toute façon, moi, je pourrais commencer à jouer à partir du 13 sur l'intégralité du jeu. Donc je vous ferai un ressenti à partir de là. Là pour l'instant je préfère trop rien dire quoi. J'ai à peine de commencer. Tu vois, ce qui manque, c'est ce côté-là, tu vois, de descendre sur l'île et par exemple d'aller collecter toi-même, quoi. Plutôt que de faire ça du bord sur ton bateau. Je trouve que ça manque un peu, tu vois. Donc on peut espérer avoir un gameplay un peu plus fourni au sol dans un futur. Du moins j'espère. Parce que ça serait vraiment dommage que ça reste comme ça. Après, ils ont les facultés, hein. Faut pas oublier que ce jeu de base, c'était prévu pour être un mode dans Assassin's Creed Black Flag. Et que finalement, ils ont décidé d'en faire un jeu à part entière. Donc, ils ont la capacité de nous faire un gameplay au sol ou de nous faire quelque chose de sympa. Ce bois nous sera utile.
Mais je sais qu'on a ce qu'il nous faut, mais laisse-moi prendre un peu plus. Oh, et toi, tu vas être viré, hein. Bon, apparemment ils veulent pas qu'on passe par là, donc on va refaire le tour de l'île. Ça vaudra peut-être mieux pour tout le monde. Ah, il m'a de nouveau aggro. J'arrivais un peu vite là quand même. C'est un vrai fléau. Attention à ses dents. Ouais, il nous rattrapera pas de toute façon. Ah, vivement le nouveau bateau avec les canons, hein. Qu'on puisse faire la bagarre. Ouais, on a du vent contraire. Florian 2302. Ah, lui, il a déjà un beau bateau, hein. Et l'avantage, c'est que tout ce qu'on va faire là sur la bêta, eh ben on le perdra pas à la sortie du jeu. Et ça, c'est plutôt top. J'aimerais mourir d'une belle mort. Une mort de pirate. Aussi romanesque que ma vie. Peut-être même davantage. Faire attention de ne pas rentrer dans les gens. Ah, y en a, ils ont des beaux bateaux, hein. Oh là là. Regardez ça.
Oh mon beau bateau. Ma belle chaloupe. C'est pas gentil de se foutre de ma chaloupe. Skurlock est un bon client. Et comme vous pouvez l'imaginer, les pirates m'apportent beaucoup de choses intéressantes à entreposer. Il faut qu'on aille voir lui là-bas. Si Skurlock se porte garant de vous, un poulet qui couve des œufs de crocodile cherche les ennuis. Je craignais de ne pas vous voir revenir, comme les autres partis chercher du bois dans des eaux infestées de crocos. Continuez comme ça, camarade, et la fortune viendra à vous. Vous avez fait un pas de plus vers la possession de votre navire. Ok. Aucun capitaine ne vaut son poids en sel sans un navire bien à lui. Fabriquez votre premier navire pour lancer votre attaque. Ah bah bien sûr. Vous avez Let's fait go. Du chemin depuis votre arrivée sur la côte en quête de bois flotté. Si vous avez de l'argent, je serais ravi de vous vendre des modèles volés à des chiens de marchand. Avec les bons matériaux, vous pourrez construire un navire digne des leurs. Donc ça serait le premier bateau qu'on peut fabriquer. Plan déjà acquis. Ah. Pourtant il a parlé d'acheter. Alors le programme ce soir, c'est de devenir le roi des pirates. Mon petit popo. On veut devenir le roi des pirates. Bah on teste la bêta ouverte de Skull and Bone. Et voilà, on a construit notre bateau. Ça y est, on a un vrai bateau. Regardez ces artisans. Un savoir-faire perdu depuis des siècles. Trois coups de marteau. Et une poutre. Et tadaaa! Si c'est pas beau. Alors on teste la petite bêta ouverte pour savoir à quoi nous attendre le 13. Enfin pour nous le 13, pour les autres le 16. Alors déplacer la cargaison dans le nouveau navire. Déplacer la cargaison dans l'entrepôt. Ouais vas-y. Oh, regardez-moi ça. Un navire qui vous appartient et une côte regorgeant de richesses.
Allez maintenant voir Thomas, le forgeron. À moins que vous ne comptiez frapper les navires de la compagnie à force d'épronage, il vous fabriquera des canons pour couler vos ennemis. Oh, des canons. Ah, moi, je suis carrément chaud pour des canons, hein. Donnez-moi les canons. Vous avez du travail à me proposer. Mais attends, tu fais que les navires. Avant, chez toi, je pouvais fabriquer des scies et tout ça. Filez avant que votre navire s'en aille. Ouais, bah je file, c'est bon. Ah non, c'était lui. Vous avez rencontré Scurlock ? Je n'ai pas eu cet honneur. Vous devez être quelqu'un d'important. Tu vends quoi, toi ? Kit de réparation. Augmente la santé de la coque de 6000. Tu vends ça combien ? 20 ? Vas-y, je te l'achète. Je peux rien fabriquer d'autre. Non. Bah si, des kits de réparation sur le coup, mais ouais, ok. Et qu'est-ce que je peux te vendre ? Ah, sachant que j'ai des constructions à faire pour le moment, je vais pas vendre le matos. Déjà voir ce que ça va nous coûter de faire des canons. Puis après, si l'envie m'en prend, on fera un tour sur Summoner Manor. En temps normal, je ne m'occupe pas des moins que rien comme vous. Si je suis chaud. Moins des roupies de Sansonnet. Mais j'ai vu que rien ne dépassait des sabords de votre navire. Vous avez l'air d'avoir de l'appétit. Méfiez-vous des appâts de la compagnie. Elle peut vous éventrer de la proue à la poupe. Le naufrage de l'Exeter nous a laissé sans réserve. La compagnie. Là, je fais mon petit test vu que c'est. La bêta ouverte, elle est jusqu'à dimanche. Je vous fabriquerai de quoi embrocher ces grenouilles. Et puis après, on verra. Pour arracher un bout de chair à la compagnie, encore faut-il avoir des dents. Pour l'instant. Ce n'est pas votre cas. Il vous faut du matériel. Vous allez. Pourquoi à chaque fois que je joue à un jeu Ubisoft, allez, la barbe travail. Et les cheveux, ils sont aussi dégueulasses. Je crois qu'il y a un truc à activer ou à désactiver, mais je sais plus. Ben. Ça dépend combien je peux en installer. Combien je peux installer de canons sur mon bateau. C'est ça la question. Ah, je peux le mettre qu'à l'avant pour l'instant. Donc un seul suffira. Sur le coup. Un canon fera l'affaire, mon ami. Rappelez-vous, on ne se connaît pas. Hein ? Elle s'annonce comment ta soirée, Popo ? Mon enclume est prête. Contient 100 boulets de canon à utiliser avec le canon. Un canon polyvalent avec une bonne portée. Ah, mais je peux acheter tout ça là déjà. Demi-canon. Écorce de fer 1. Écaille superposée. Reste qui lui est encore plus facile à rattraper. Catastrophique. Il a plu toute la journée, le produit. Ah ouais. Ah, ça c'est la merde. On va acheter écaille de fer 1. Pour voir si on peut se le poser sur le bateau.
Ouais, on peut le poser sur le bateau. Nickel. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les chiffres sur YouTube. Mais je crois pas grand monde, je pense. Les gens ne savent rien de moi. Vous avez 25, hein. Donc ça, ça contient... Si j'en fabrique un, ça contient 100 boulets. On va en fabriquer 4. Ouais, bah dès que je fais autre chose que du Summoner War, en vrai, compliqué, hein. Compliqué, compliqué. Mais bon. On va habituer les gens à faire un peu de tout, hein. Faut pas que je reste dans une niche, hein, parce que sinon... J'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc on va les habituer à faire un peu de tout. Bon, on a plus de fer. De percer toutes les coques de la compagnie. On a un canon devant et un canon sur chaque côté. Et on a renforcé la coque. Ouais, j'avais dit SW, mais en fait, entre temps, ils ont sorti la bêta. Et bah voilà. J'avoue, c'est de ma faute. C'est vrai que d'habitude je fais Summoner War le vendredi. Mais on fera du Summoner War, hein, on va en faire. C'est quoi que j'ai mis sur mon bateau? Oh, mon bateau. Je sais pas maintenant si c'était ça. N'allez pas vous noyer dans une flaque de boue. Non, mais je vais vous faire du Summoner War, vous inquiétez pas. Oh là là. Attends, par contre, il veut quoi? Il a pas fini? Je croyais que j'en avais fini avec lui. Je peux vous fabriquer une belle arme. Bon. Les ponts sont frottés, les canons nettoyés et vous avez du cœur au ventre. Alors, il est temps de vous attaquer au navire de la compagnie. Ces arrogants faquins croient que mon fer leur appartient. Mettez-les en pièces. Alors, équipez votre navire avec les canons récemment fabriqués. Équipez un. Hein, ok. C'est parti. Ah, mais de toute façon, je vais quand même switcher sur Summoner War à un moment ou à un autre. Vu que j'accumule tout jusqu'au week-end, je vais être un peu obligé, hein, quand même. Alors, voici le nouveau bateau. Gérer le navire. Alors, protection. Oh, bah t'inquiète. Non, mais de toute façon, tu as raison. Il faut râler, hein, dans la vie. Moi je valide. Ok. Donc là, on a renforcé la coque. Ensuite, il faut qu'on mette les canons. Merci. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur rien. Allô? Où? Eh, qu'est-ce que j'ai fait? Allô? L'hôte est parti, déconnecté.
L'hôte est parti. Comment ça, l'hôte est parti? Je sais pas, je connais pas beaucoup de Marseillais. Je les vois que sur TikTok. Tu sais, les vidéos où ils se fritent avec des Parisiens. Il y en a un qui est super. Enfin, super connu. Super connu. Je dis super connu, mais. Parce que je le vois souvent. Je sais pas si tu le connais sur TikTok. C'est un mec aussi, il est fan. C'est un Marseillais invétéré. Et il a même une petite traînée bleue dans la barbe. Je sais pas si tu vois de qui je parle, si tu regardes TikTok ou si ça t'arrive. Ah, lui, il est trop fort. Et sa femme, elle arrête pas de... Elle arrête pas de l'emmerder avec des trucs de Paris et tout. Je sais pas, je peux pas goûter. La dernière fois, elle a dit à sa fille, ouais, tu vas voir papa. Et tu lui dis que tu veux un maillot d'Mbappé. Elle va dire ça à un Marseillais, tu sais. Un fan, genre inconditionnel, tu vois. Le père, il a cabré. Il a dit à sa fille, ça y est, je te renie, c'est bon, c'est fini. Alors je sais pas pourquoi je me suis pris ma déconnexion. Le jeu était fâché avec moi, il voulait pas que je mette les canons en place. Ah oui, ça a même pas sauvegardé ce que j'ai mis en place, quoi. La mère nous appelle, capitaine. On répond. Mais pourquoi? Ah oui, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ok. Ah, j'ai pas encore bien pris le jeu en main. Donc je comprends petit à petit ce qu'on est censé faire. Mobilier. Coffre à cordage. Augmente l'accélération de 300%. Ah, ouais, d'accord. Mais tout ce que je suis en train de mettre là, ça rajoute du poids sur le bateau, j'imagine. Sinon, ça serait pas rigolo. Décoration du navire, apparemment j'ai des décous. Retourner en mer, capitaine. Vous n'avez pas les moyens d'acheter cela. Ah, je suis un peu pauvre, hein, mais c'est pas la peine de me le dire. Hein. Ouais, bah, les décorations, ça ne sera pas pour tout de suite. Pourtant, il dit que je suis censé avoir quelque chose. Je sais pas. On décorera notre navire plus tard. Oh bah c'est parti hein. Alors, on peut aller se bagarre. Let's go. C'est l'heure. C'est l'heure de montrer de quoi on est capable en tant que futur chef des pirates.
Ah, il est déjà un peu plus grand que notre chaloupe. Captain, votre longue vue. On identifie ces sensus françaises. Détruisez les navires de récolte de la compagnie. Ces navires de récolte de la compagnie se trouvent sur un emplacement de ressources ou à proximité. Oh bah let's go. Oh, on a les champs marins et tout. Oh la dinguerie. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi la taille de ce bateau? Ouais, bon, là où il y a du feu, il y a de l'argent. Je vais peut-être pas me friter contre ça là. Oh, il s'est fait éclater. Il s'est fait démonter. Bon, notre premier bateau coulé, mais bon, on l'a fait en coop. On l'a fait en coop. Ah, il y a les copains qui arrivent. Et merci pour le follow, King Beer. Alors, le live, ça s'est passé comment? Ton premier live TikTok. Plutôt satisfait. Attends, on va essayer de le rattraper parce qu'il essaie de nous esquiver, ça me plaît pas. Ça va, merci. Ah, ça fait plaisir de voir un viking. Ça fait plaisir. Oh, mais je tire au-dessus. Mais non. Lui il va nous emmerder. Ouais, je t'en ai mis quelques-uns aussi. Oh, pas grand-chose, mais je t'en ai mis quelques-uns. Ça fait plaisir. Mais c'est bien joué le coup de la Trent là. T'as géré, hein.
J'ai un peu suivi tes épopées là, c'est carré, franchement. Bon bref, moi j'ai commencé à me battre avec des bateaux dont j'ai même pas l'utilité de leur faire mal. Moi je vais aller à ma mission. On va pas perdre trop de temps. Eh, dis-moi, j'ai une question. J'ai une question, Viking. Comment t'as fait pour avoir une barbe aussi longue? Et c'est pas une question pour me foutre de toi, c'est une vraie question. Tu l'as nourrie à quoi? À quoi tu l'as nourrie pour qu'elle soit aussi... aussi flamboyante. Ça va, lui? Et pourquoi il me tire dessus, lui? Il a craqué ou quoi? Ah bah alors là, mon ami. Bon, où ils sont mes bateaux que je suis censé barbier depuis 4 ans régulièrement, et sinon huile de barbe, baume de barbe et shampoing. Ah ouais, ok. Ah, parce que moi ça fait combien de temps que je laisse pousser la manche hein? 5 ans. Et j'ai quoi? J'ai un quoi, un 10 cm à peu près? Un petit 10 cm. Oh, carte au trésor. Ouais, c'est parti. On va le chercher. On va aller lui faire du mal. Chasse au trésor, les cartes au trésor mènent à des trésors. Bien vu! Enterrer les indices. 23 cm pour la mer. Ah ouais. Ouais, moi je dois avoir un petit 10 cm. Mais en 5 ans, je trouve que c'est pas énorme en fait. Alors je sais pas, tu sais, il y en a, ils disent ouais, pour que la barbe elle pousse, faut la couper, pour la laisser repousser et tout. Mais en fait, mon but c'est pas de la couper, tu vois. Alors je sais pas si la légende du coupe ta barbe comme ça elle repousse plus long après, si c'est validé ou si c'est vraiment juste des conneries en fait. Peut-être juste tailler les pointes, non je sais pas, un peu comme les cheveux, je sais pas. Je me pose la question. Je me pose la question. Oula, 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 je me suis foutu dans un...
Ah, j'ai pas de canon sur l'arrière. Faut qu'on se barre, faut qu'on se barre, faut qu'on se barre. Ah non! Ok, bah je vais tester. On va tester ça. Par contre, je crois qu'on a coulé, on a perdu tout. Je crois qu'on a tout perdu, toute la cale. Je crois. Ah ouais, j'ai pas compris pourquoi je me suis retrouvé avec 10 bateaux. Ils sont mis tous à m'attaquer d'un coup. Bon bah pour devenir le roi des pirates, ça commence déjà mal. Hein. Alors, votre cargaison sera jetée par-dessus bord lorsque vous êtes vaincu. Retournez à l'endroit où vous avez été coulé pour la récupérer. L'endroit est marqué sur votre carte. Attention, si vous coulez à nouveau avant d'avoir récupéré, et ben c'est le caca. Ok. C'est parti. Allons récupérer notre stuff. Mais bon, je rappelle que les bateaux, ils étaient un peu vénères là-bas. Hein. Je pense qu'à mon avis... J'espère qu'on va pas les recroiser. Ah c'est bon, j'ai tout récupéré, je crois. Je crois que j'ai tout récupéré. Oh là, oh là, oh là. Oh là, je crois que je les ai vénères. Ah bah en fait c'est moi qui cherche l'embrouille, d'accord, je viens de comprendre. Oh là là. Mais je passe au-dessus. Ah, ils vont nous accoster. Attends, je rêve ou il est en train de se barrer? Ça c'est l'IA, ça je crois. Ils sont en train de se barrer. Oh là là, oh là là. Oh, je crois que je me suis foutu dans la muise. Mais d'une puissance.
Allez les gars, allez. Allez, faut qu'on s'échappe. Allez. On en a qu'un seul ou les trois ils nous ont pris en chasse? Ah, les trois ils nous ont pris en chasse. Ok, ils nous ont lâchés. Pouh! Mon dieu! Quelle aventure! C'est pas bon pour mon petit cœur tout ça, dis donc! Attends, parce qu'il y a encore mon truc de l'épave, mais j'ai récupéré mon matos ou pas? Le brouillard, capitaine! Bah non. Bah attendez, j'ai pas... Attends. J'ai pas récupéré mon matos quand je suis passé. Donc là, faut de nouveau que j'aille me bagarrer. Mon dieu. Avec un peu de chance, si on attaque personne et qu'on tire pas de boulets de canon, on peut passer inaperçu. Pas de soucis, merci à toi Viking, et puis courage et bonne continuation. Et merci pour tout. En espérant que j'arrive à passer inaperçu. Si je tire pas. Bonjour les amis, je fais que passer, je récupère ce que j'ai perdu là-bas. Et puis je vous laisse tranquille. On oublie les petits combats et puis les petites prises de tête qu'on a eues. Hein. On reste amis. Tout le monde reste tranquille. J'espère que ça se passera mieux avec vous que sur d'autres navires. Ma mère a essayé plusieurs fois de me voir. Je sens que ça passe. Ah, c'est bon, je crois que je l'ai récupéré. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré mon matos. Je peux y aller. Tant qu'on tire pas, tout devrait bien se passer. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Ok, donc déjà on sait qu'on peut récupérer son stuff si jamais on meurt, et ça c'est plutôt pas mal, à condition que tu remeures pas derrière. GG Popo level up. Alors des navires de récolte de la compagnie se trouvent sur un emplacement de ressources ou à proximité. Ah bah j'étais en train de faire cette quête, je sais pas pourquoi je me suis retrouvé ici à me battre contre ces gens là. Peuple de la mer. Ah ouais, c'est normal que t'XP bien, t'es tout le temps là. En même temps, je cale mes horaires. Hein. Ce navire marchand a des pierres de valeur. Oui, bah le navire marchand a des pierres de valeur. Hein. Le navire marchand, il est pas tout seul, il a plein de copains. Donc maintenant, on va se détendre. Mais si, j'adapte mes horaires pour toi. Des marchands du peuple de la mer. Des marchands du peuple de la mer. Des fruits frais qui
Mais si jamais je l'attaque lui, je me tape tous ceux de derrière aussi. Alors est-ce que ça vous dit pas qu'on les laisse tranquilles? Bonjour. Oh, ça me donne envie. Hein. Ça me donne envie de le canonner quand même. On va pas mentir. On va pas mentir, ça me donne envie. Peuple de la mer. De nouveau. Mais c'est fou, ils sont partout ceux-là. C'est dingue. Bon, il faut qu'on chope des navires marchands. Des navires de récolte. Dans cette zone-là. Dans cette zone-là, on est censé avoir des navires marchands. Enfin, des navires de récolte, pardon. Ce qui n'a absolument rien à voir avec les navires marchands que j'ai attaqués depuis avant. On va accélérer. Ok, c'est eux qu'on attaque, les gars. Alors, sur YouTube, il y a deux personnes et t'as mis le bon hashtag. Ah oui, j'ai pas mis le bon hashtag, oui, j'ai oublié de changer le hashtag, ouais, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Effectivement, maintenant que tu m'en parles, j'ai oublié de changer le hashtag. Ça, c'est pas faux. Et ça, normalement, c'est le deuxième bateau qu'on a besoin. Et voilà. Sans les couler, c'est pas beau? Jean-Pierre, vous êtes fort dans le
Ah oui, hashtag Genshin Impact, ma femme elle dit. Ouais, bah oui. Ah, j'ai oublié. Ah, pas fait exprès. Eux, à mon avis, faut pas s'en approcher là parce qu'ils ont l'air. Bon, après cette mission, en fait le problème c'est que je sais pas trop si je vais réussir à faire ce que je veux sur Summoner War en fait. J'aimerais tenter les tours. Bah j'aimerais tenter les tours avec la nouvelle équipe là que j'ai montée. Mais je sais pas trop si si ça va bien se passer ou si ça va se passer comme la dernière fois, tu vois. J'avais prévu de le faire. Parce que là j'ai monté une bonne petite équipe là. Avec Léona et tout. Ouais, mais ça m'emmerderait de de changer le titre et tout pour que finalement au bout de 10 minutes bah ça marche pas et qu'on revienne sur un autre jeu, tu vois. Mais comme dit, ouais, il y a qu'une seule façon de le savoir, hein, faut tester. On va déjà ramener la quête, on va ranger notre stuff. Notre stuff. Ah, par contre sur YouTube je peux pas changer la catégorie je crois. Ça va être compliqué ça. Mais ouais, pour ce que j'en vois de ce petit jeu. Il me plaît bien. On le poussera un peu plus. Ouais, les raids. Les raids. C'est vrai, c'est pas faux. Je peux vous fabriquer une belle arme, mais n'allez pas vous tirer dans le pied. C'est vrai que maintenant tu me fais penser, il y a les raids à faire. Grenouilles ont à peine combattu, pas vrai? Je vous félicite. Les récits de votre victoire ne cessent de s'en mêler. Le style? Vous avez fait forte impression sur les pirates de Sainte-Anne. Ils aimeraient faire affaire avec vous. Et j'ai d'autres tâches, si cela vous tente. Là, quelqu'un qui s'étouffe. La prochaine mission sera agitée. Des navires de guerre de la compagnie. T'inquiète, pas peur. Donne ta mission. Moi, je vais devenir le roi des pirates. Pas peur. S'il vous faut quelque chose en métal, mon enclume est prête. Ce qu'il me faudrait, c'est les nouveaux canons là. Ils sont pas bien ces canons là, par hasard. Mais non, mais je voulais pas l'acheter, je voulais regarder. Vas-y. Autant tout acheter en vrai. Qui lui est encore plus facile à raviver. Bon, j'ai débloqué quoi?
Des bombardiers. Ok. Et des canons longs. Ok. 1090. Là, on est sur du 500. Avec 6 secondes de recharge et 600 mètres. 1090, 9 secondes de recharge et 1000 mètres. de dégâts, 7,5 de recharge. Ah ouais, d'accord, ok. Caisse de bombes de bombardier, bah oui, ouais. Ah, il faudra que j'aille farmer. Faudra que j'aille farmer du matos par contre. Bon, bah écoutez.